Horrible, horrible. La rouge. Et ce qui est insupportable, c'est ça en fait, c'est de se dire que ça tenait pas à grand chose pour être évité. Quoi. Toujours pareil dans ce pays, il faut attendre qu'il y ait un drame pour qu'il y ait une réaction. Ça marche toujours comme ça. Ça marche toujours comme ça. Donc j'espère que vous allez rien lâcher, que au moins, bah enfin, votre situation soit un peu mise en lumière, que les Français comprennent un peu votre quotidien et que du coup il y ait une réaction politique. Quoi. Donc, faut... Je pense qu'il y en a plein qui découvrent l'administration pénitentiaire. Oui, c'est pas un métier très connu. C'est vrai. C'est ça. Quand on parle, moi je parle avec des proches à moi, c'est. Ils confondent un peu avec les policiers en fait, ils se disent c'est un peu le même métier. On confond souvent avec la police. Mais c'est pour ça que là il faut vraiment aller à l'offensive et pas lâcher. Que au moins dans ce drame, il puisse y avoir la possibilité que ça se reproduise pas. Quand on voit comment ça s'est passé, on dit mais comment ça peut arriver en France? Mais c'est ça, on a l'impression d'être un pays du tiers-monde. Ah, aux États-Unis ils sont pas équipés comme ça. Hein. Eux pour le coup, niveau matos, je peux vous dire, et puis vous crachez pas sur un policier aux États-Unis, vous crachez pas sur un agent pénitentiaire. Ouais, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est des sociétés violentes, hein, mais par contre, le coup, la répression pénale, elle est là. Quand on voit la vidéo, c'est lunaire. Quand on voit tout ce qui tourne, c'est lunaire. Ah, ils les abattent de sang-froid. Et d'ailleurs, c'est des gens aguerris, hein, vu comment ils tiennent leurs armes et comment ils tirent. Je pense que il y a l'entraînement. Oui, c'est pas des novices et des petits joueurs. C'est vrai que ce genre de mission, c'est malheureusement, à partir du moment où on met un pied à l'extérieur, on est exposé, hein, comme policier, comme gendarme, c'est voilà. Oui, mais quand on sait que ça fait partie du métier, voilà, qu'on se donne simplement les moyens de pouvoir se protéger. Aujourd'hui, dans notre beau pays, notre drapeau, le drapeau français, est insulté et brûlé tous les jours. La haine contre cet emblème ne fait qu'augmenter. Et vous, avez-vous ce drapeau chez vous? Est-ce que vous le portez haut et fier? Si ce n'est pas le cas, achetez-le dès maintenant sur notre site. Le lien est dans la description. Merci. Montrons-leur que nous ne baissons pas les bras et que nous sommes fiers d'être Français. Vive la France!